Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais une petite vidéo complètement hors sujet en fait, une vidéo what the fuck. En fait, je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Give. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une application que je trouve géniale en fait, j'utilise dans mon quotidien. Alors cette vidéo en fait elle n'est pas du tout sponsorisée, hein. Je vous calme tout de suite, vos ardeurs et tout ça. Je ne suis pas sponsorisée par l'application, voilà, je ne touche aucun argent, voilà. Je voulais juste vous partager un de mes bons plans en fait, tout simplement parce que il m'arrive d'être gentille des fois dans ma vie en fait. Et je vous partage cette application, mais je voulais aussi vous partager des petits instants de rage en fait, parce que j'ai trouvé des annonces complètement what the fuck en fait, et que je voulais vous partager. Et aussi des annonces qui va bien vous faire rager, tout comme moi en fait, ils m'ont fait rager. Voilà, parce que Gives en fait, je vous explique le principe, c'est une application où en fait les gens donnent des objets gratuitement. Oui, vous avez bien entendu le mot gratuit, c'est gratuit les gens. Sauf que il faut être le premier, c'est ça, c'est le concept, c'est que quelqu'un donne et en fait il faut être le premier à réserver l'objet, voilà, qu'on vous donne. Il va se fier à votre géolocalisation et va vous proposer des annonces par rapport à là où vous vous situez, voilà. Et du coup, vous pouvez, donc je vais vous montrer des images. Donc là nous avons un magnifique arbre à chat pour Shadow. Je pense que franchement, Shadow adorerait, là, franchement, elle serait bien. Mais c'est un peu loin. J'ai vu, mais j'ai mis dans mes favoris. Ensuite, quand vous cliquez sur nourriture, et ben voilà, vous pouvez tomber sur plein de genres de nourriture. Voilà, des oignons, un pot de banane, du café, enfin bref, des conneries, je sais pas, des trucs de Noël, des Ferrero. C'est bon le Ferrero quand même. Hein. Voilà, vous avez tout ça. Des trucs pour hamster, voilà, je vous montre un peu le délire là qu'on peut voir. Des concombres. Ah, et du gin, voilà, du gin. Bah, ça, c'est bien, ça. Du gin, voilà, en bouteille. Pourquoi pas. Il y a deux personnes dessus, hein, vous avez vu en haut à droite. Et c'est Tony. Tony qui est à Roissy en France, il donne une bouteille de gin, les gens. Go, go, go. Mais vous pouvez aussi, dans la rubrique objet, du coup, vous avez des filtres et vous pouvez filtrer. Et vous pouvez filtrer notamment pour les fans de jeux. Et vous allez dans, voilà, dans cette rubrique là. Et vous pouvez mettre jeux vidéo. Et là, il y a plein de trucs, les gens. Donc là, vous allez dans catégorie, jeux vidéo. Et après, voilà, vous avez plein de jeux vidéo en fait, de dons. Voilà, donc accessoires pour console. Vous avez une jaquette vide Super Mario, etc. Donc là, je vais vous montrer quelques annonces qui sont pas mal, on va dire du pire au meilleur. Là, au meilleur, vous allez rager, je vous préviens. Moi, j'ai grave ragé. Donc là, vous avez carrément un lot de Wii avec 7 jeux, un tapis, une housse et 2 manettes, s'il vous plaît. Donc c'est franchement, quelqu'un a donné ça, hein, c'est pas une blague, il y a pas longtemps. Après, nous avons ce charmant lot de Bibi, voilà, Bibi A, qui a donné plein de magnifiques jeux de PS1 gratuits avec que 5 personnes dessus, voilà. Donc là, nous avons carrément un lot de jeux de PS4 magnifiques qui sont donnés par Nicolas P. et qui dit « Lot de 9 jeux PS4 à récupérer pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne donne pas les jeux séparément. Nicolas P. » Donc voilà, il y avait beaucoup de personnes dessus par contre là. Là c'est chaud. Là faut le contacter, mais limite, je pense qu'au bout de 30 minutes, Nicolas P, il en a eu ras le cul et il a donné au premier. Hein. C'était pas possible ça. Alors après les jeux PS4, nous avons carrément la console avec 77 personnes qui sont en train de se faire la guerre dessus. Mais avec des jeux. Voilà, avec des jeux parce que sinon c'est pas drôle, voyons. J'ai pris des screens, hein, c'est pour ça que vous voyez des images fixes de ce que j'ai trouvé sur le net. Alors là, on a carrément quelqu'un qui donne un lot de Wii avec des nunchucks officiels, des manettes officielles et des jeux dont Obscure 2, Mario Party 8, voyons, les lapins crétins et Mario Party 9 tant qu'à faire. Tout ça, gratuit. Donc je sais pas, il y a eu 12 personnes dessus. Le gagnant, le heureux élu, a eu de la chance quand même, hein, au niveau des jeux.
Et non, vous ne rêvez pas, il y a bien quelqu'un qui a donné une PS2 en boîte avec des jeux, dont Mortal Kombat. Donc j'ai un peu la haine en fait, tout simplement. Il y avait quand même 63 personnes dessus, donc je pense que la baston, elle a dû être sévère, très clairement. Là, je vous ai prévenu, hein, ça va aller du plus soft au plus lourd, là. Donc apparemment, c'est une certaine Myriam B. qui a donné donc ce magnifique lot. Et dans sa description, elle a dit « Je donne une console PS2 en très bon état, plus manette et un lot de jeux. Trois petits points. » Alors déjà, les trois petits points, ça laisse libre cours à votre imagination et à votre âge, là, je vous dis. Donc là, on a carrément des jeux de Super Nintendo, dont, si vous voyez bien, Mario Kart, carrément, Mortal Kombat 2, Super Tennis, enfin bref, des jeux quand même pas mal. Je crois même qu'il y a Mortal Kombat 3. Bon bref, hein, c'est un lot qui a été donné, hein, il y a un an déjà. Hein. Mais regardez qui a donné ce lot, ça va vous rappeler quelqu'un. Et c'est BBA, voilà, qui a encore donné des jeux vidéo. Donc lui, ça doit être une des personnes les plus recherchées de France, je pense, avec sa photo de bébé là. Franchement, mec, tu es, je pense, le papa Noël de cette année. Enfin, de l'année dernière plutôt, vu que ça fait un an. Donc là, je vous mets d'autres petits trucs. Donc voilà, un petit Pokémon Saphir, tant qu'à faire, gratuit. Voilà, je pense qu'il y a eu l'heureux élu a dû être très très content. Alors là, carrément, il y a 3 ans, hein, il y a 3 ans, donc ça a changé quand même. Mais bon, on peut toujours espérer, les gens. Là, il y a carrément eu une Game Boy Color, carrément, avec un Pikachu, franchement, que j'ai même pas moi dans ma collection, je l'ai plus, celui-là. Et une Game Boy SP, pourquoi pas, franchement. Avec 53 personnes qui ont dû faire la troisième guerre mondiale des jeux, mais là ça a dû être violent, les gens. Alors là, préparation, et voilà, du très lourd. Regardez ce que quelqu'un donne. Mais qui est cette personne? Que je puisse le contacter au plus vite possible. Regardez le lot qu'il a donné de Dreamcast. C'est pas possible. Je crois que ça c'est pire que Père Noël. Même le Père Noël offre pas ça. Vraiment. Le mec ou la nana a dû se faire tellement harceler qu'il a dû appeler la police, c'est pas possible autrement. Regardez, 201 personnes, alors voire plus, hein. Il a dû recevoir des dizaines et des centaines de messages. Waza, c'est pas possible. Et un petit dernier pour la route, bah une petite Switch Lite, voilà, avec sa petite boîte, tant qu'à faire, alors que moi j'en ai même pas une. Voilà, donc, et en plus, pas besoin de banane pour contacter cette annonce. Bah nickel, voilà, c'est tout gratuit, c'est tout donné, c'est give. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger l'application. L'application est gratuite. Par contre, si vous voulez être premium comme moi et pouvoir avoir des exclusivités, parce qu'il y a quand même, voilà, faut que l'application elle vive, hein, je pense, vous pouvez prendre un abonnement. Ça va de 5€. Mensuel, ou alors je crois que c'est 25€ ou 30€ l'année, je ne sais plus. Vous voyez, je sais même plus les tarifs, donc c'est pour vous dire. Moi j'ai pris ça pour les soutenir dès le départ, en fait ça fait longtemps que j'utilise cette application, mais voilà, je voulais vous en faire profiter parce que vous êtes mes abonnés, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut juste aller sur Apple Store pour ceux qui ont Apple. Moi je n'ai pas Apple, moi j'ai Android, vive Android, voilà, c'est tout, c'est Team Android ici, c'est comme Team HP, Team Mac, et ben moi c'est Team HP, voilà, c'est tout, c'est Team Windows, voilà. Bref, on va pas faire de clash ici, c'est pas fait pour ça. Ici on est dans l'entraide, dans la rigolade, d'accord? Donc il y a juste l'abonnement qui est payant. Mais de toute façon, vous pouvez quand même, sans banane, en fait, il faut utiliser des bananes, des bananas. Les bananas, en fait, elles servent à communiquer voilà, avec les donneurs, en fait. Vous pouvez aussi faire des dons, ça c'est cool aussi, parce que des fois c'est bien aussi de donner. C'est pas que bien de prendre, voilà. Donc vous pouvez aussi donner, c'est cool pour des gens qui... Voilà, moi... personnellement, ça m'arrive de donner. Je donne plus en face à face, personnellement, mais voilà. Ça m'arrive aussi de donner. Donc la preuve, hein, la preuve en est, c'est que je vous donne, voilà, ici une astuce, voilà, un petit bonus, voilà, dans le game. Et du coup, n'hésitez pas à donner et à apprendre, du coup, aux autres givers,
on appelle ça des givers, et vous pouvez parler grâce aux bananes, et en fait si vous achetez l'abonnement, forcément bah, les bananes elles vont être, je ne sais plus si elles sont illimitées, mais en tout cas elles le sont presque, hein. Donc voilà, c'est cool comme application. Par contre je vous préviens, il y a un truc, ça m'est déjà arrivé, hein. Je devais aller chercher des objets et la personne elle a annulé, enfin le donneur a annulé au dernier moment, ou alors a réservé à quelqu'un d'autre. Alors je vous dis, vous allez rager, vraiment des fois vous allez rager, faut l'accepter, mais parfois ça vaut le coup. Regardez, déjà pour ces jeux là, rien que le Pokémon, la boîte et tout ça là, des boîtes gratuites de jeux, j'ai pas eu que ça, hein. J'ai eu des jeux gratuits, d'autres jeux gratuits, donc ça vaut le coup. Comme je vous ai montré, il y a des annonces, foncez quoi, ça vaut le coup. Et franchement, vous pouvez faire même de belles rencontres, donc c'est cool. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Je sais pas si je vais faire quelque chose ce week-end, donc on verra. En ce moment, j'économise pour les soldes, je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Du coup, bah voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chasse au trésor. Oh yeah!